Ça, je l'emmène à l'époxy, comme vous pouvez le voir, comme je disais, regardez comment c'est... Vous l'aviez vu de façon en incrustation, mais regardez comment c'est terne, c'est moche. Normalement, elle fonctionne pas. Donc on va voir un petit peu ce que... Ah, il y a le monnayeur de... Il y a le monnayeur qui est là. De... Monsieur Propapère. Ah, ici, il y a une trace de brûlure. Eh, hey, tu la bouges assez facilement, j'ai trouvé là. Yes. Oui, oui, ça va. Bah, oui, je la bouge, c'est de la force. Allez, mais... Salut à tous! Bon alors, les gars! Attends, ça mouille! Ça mouille! Alors, cet épisode Projet Arcade plus 3, et ça tombe bien parce qu'on va le commencer. Plus 3 déjà? Plus 3 déjà? Plus 3 déjà! C'était pas le plus 4. Non, c'est plus 3 celui-là, d'accord. Plus 3. Bah, il y a Mike qui arrive. Et il y a Mike qui arrive. Si, on va te faire une place. Cet épisode, voilà, ça va être encore un petit peu durable. Là, on commence chez toi aujourd'hui, Cédric. Ouais. Puis après, on va aller se balader. On va te revoir, Nono? Ouais. On va aller chez Cédric. Ouais. Et en plus, pour le coup, on a déjà vu l'épisode Je reviens chez toi. Donc là, ce sera un petit complément un peu de la visite chez Cédric que vous avez déjà vu. Si vous n'avez pas vu l'épisode Je reviens chez toi, chez Cédric, on a vu sa salle d'arcade. Enduro Racer. Enduro Racer 86. Ça, c'est nouveau, ça. Voilà, très bizarrement, est un meuble d'une space arrière. Alors, je sais pas pourquoi. Alors, c'est une reconversion. Certainement, ouais. Donc, ça, ce sera une séquence dans Projet Arcade Plus. Ok, voilà. Donc c'est des petites découvertes. On s'aperçoit quand on ouvre la porte derrière, on verra ça. À vous de voir la vidéo. Voilà. Et ben là, ce sera encore un petit complément. D'accord. Ouais, on va rejoindre Jérôme, etc. dans cet épisode. Et regardez, de l'époxy. Voilà. Alors, je t'ai l'ami pour que tu le vois, toi, Arnaud. Ouais. Parce que toi, regardez, je l'ai fait. Il est pas convaincu, Arnaud? Non, si, j'ai pas dit. Si, il est convaincu, mais sans être. Par contre, je veux faire du rouge. Alors, ça, par exemple, tu vois, ça c'était noir, soit. À la base, là, c'était noir. Et j'ai voulu le faire en espèce de gris métallisé. C'est quoi ça? Et donc, on doit refaire Et l'avantage de l'époxy, c'est regardez. Regardez comment c'est propre maintenant. Regardez comment c'est bien beau. C'était oxydé à mort. Regarde ça. Mais le gris, ça rend mieux. Oh non. Ouais, mais parce que là, c'est du brillant pour le coup. Et là, c'est satiné. Là, t'as un côté granulé un peu. Ouais, t'as un petit effet là. C'est pas la main, c'est un petit peu peau d'orange. Ah, oui, c'est sympa. La peau d'orange, du relief. C'est sympa ça déjà. Tu peux nous montrer le topper, Cédric? Ouais. C'est beau. J'ai été faire de l'archéologie. Et pour ta borne, pour le coup. Ah ouais, c'était... Parce que ça, la probabilité de tomber dessus, c'était impossible. Zéro. Franchement, là, c'était une chance qui est... Enfin, c'était pratiquement impossible de le trouver. Et vous verrez, ça fera l'objet d'un Projet Arcade plus 3, enfin plus 4, plus 5, plus 6. La séquence a déjà été tournée et c'est une séquence où on la cumulera avec une... où on ira ensemble là-bas. D'accord. On l'associera à cette séquence. Ok, ouais. Voilà, donc c'est parce que toi tu vas y aller dans ce lieu. Oui, j'ai un récupéré. Il y a au moins plus d'une centaine de bornes d'arcade. Mais chute parce que madame est à côté. Faut pas qu'elle entende. Donc voilà, ça c'était ça. Poignée de... Et la poignée parce qu'en fait. Alors par contre, elle était. À la base, je voulais pas la changer la poignée. Ouais. Mais en fait, quand je l'ai démontée, je me suis dit, je l'ai démontée un petit peu. Et effectivement, j'ai vu la crasse que c'était. Ouais. Vous le voyez en incrustation là actuellement. Et vous voyez vraiment, et tu te dis, si à l'œil nu comme ça, de loin, dans une salle qui est un peu sombre, ça passe. Ouais, mais, après... mais dès que t'as un éclairage dessus et tout, c'est, tu vois là. C'est de l'époxy aussi ça? C'est de l'époxy. Il y a un côté pailleté. Pailleté, voilà. C'est ce que t'as demandé aussi. D'accord. Exactement. Et là. Un côté métallisé même. Ouais, c'est un métallisé quoi. Ouais, c'est un métallisé. Oui, puis là, c'est quand même quelque chose que tu. Ah, mais là, c'est beau. Il est magnifique. Ah, ouais, c'est beau. Hein. C'est beau. Hein. Et puis même en termes de poids, je pense que voilà. Et c'est pareil pour la coin d'or, si tu peux me repasser la coin d'or. Et en plus, la coin d'or, c'est pareil. Ça, en fait, quand on le voit pas, on se rend pas compte. C'est ce que je te disais, Arnaud. Ouais, c'est que quand tu as une borne qui est sombre, qui est dans un coin qui est pas très éclairé, on se dit ah c'est propre. Mais dès qu'on zoome, qu'on éclaire vraiment la coin d'or, bah là tu vois les défauts. Là, vous le voyez en incrustation. En fait, quand on mettait un bon éclairage sur la coin d'or, on voit la rouille, on voit que ça cloque en dessous. Oui, et on se dit, dans une salle vraiment qui est sombre, vous allez chez les gens, vous dites, ah c'est sombre, c'est... Et on se dit, ah bah c'est bien comme ça quand on regarde. Elle est propre. Et en fait, quand on... C'est comme tous les détails en fait. C'est des détails. Les photos sont souvent trompeurs. Hein. Ouais, ça trompe grave. Et voilà, vous voyez, en fait là, je trouve que de l'avoir fait en chromé, je trouve que ça lui donne vraiment un aspect
C'est une belle finition. Ah, ça fait une très 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 belle finition. Et tu gardes les impacts parce que du coup on voit un petit peu les impacts. Oui, bah, il y a les impacts de base. Voilà. Ça lui garde de son authenticité, j'ai envie de dire. Et là voilà, c'était le début de cet épisode. Donc vous allez voir, on va revoir du Sébastien dans Geek Room. On va voir donc du Gège, du Jérôme. On va te revoir toi. Oui. On va peut-être aller voir la Mortal Kombat dans cet épisode, on sait pas. Là on va aller la voir vite fait. Là. Ouais, on va y jouer. Moi, lui, il est toujours pas joué, moi. Et Laurent, t'as pas vu depuis longtemps, toi? Bah oui, il est là. Covid et tout ça. Là, je reviens, c'est bon. C'était bien de faire cette petite intro ici. Et là, on va retourner, on va voir de l'arcade. Voilà, on va jouer un peu. On va un peu jouer. Les enfants jouent. Voilà. Et voilà, donc un épisode un peu. Et en fait, j'ai envie de dire que j'ai plus envie de dire on va se retrouver là. Enfin, on l'a dit parce que là, c'est sûr. Mais il y a tout vent, ça chamboule. Il y a des trucs qui sont. Ça change au niveau planning. Non, mais c'est vrai, il y a toujours des changements. Là, on est à peu près sûr qu'on va aller voir Cédric. Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est acté. Qu'il y a l'inauguration, mais pour autant, on va aller le voir. Mais la séquence a déjà été diffusée. Le je reviens chez toi, c'est ce que je disais à l'instant. Et là, on va aller se balader. En fait, t'as du mal à comprendre la chronologie là. Ouais, c'est comme ça. Je te fais oui de la tête, mais je dis, bah, je sais pas dans quel sens tu vas nous mettre ça. Parce qu'en fait, on n'y a pas encore été, mais voilà, on a déjà tourné dans le futur. Et dans le futur, la vidéo a déjà été diffusée. D'accord. Du je reviens chez toi. Ouais. Et là, vous allez pas voir le je reviens chez toi, vous allez voir des petites séquences off de cette inauguration au camping ça, Les Deux Pins. C'est ça. Est-ce que tu es d'accord, Arnaud? Ouais, je vais dire que je suis d'accord. D'accord. Bon, moi, techniquement, c'est dans une semaine, je suis en vacances. Voilà, c'est tout. Après. Donc là, on va jouer un peu à la Mortal Kombat et on se retrouve dans une semaine. C'est ça. Dans une semaine. Alors toi, non. Dans le futur. Moi, j'y vais le samedi, toi, tu viens un peu plus tard. Mais voilà, on va se dire une semaine, une dizaine de jours. Moi, je sais pas vous, moi, j'ai rien compris. C'est dommage. Celle-là, on voulait y jouer ce matin, mais ça marche pas. Sauf si on nous trouve un miracle. Tu mettras de la musique. Clairement, ça vient se fixer. Ah ouais. Ça passe alors finalement. Ouais, ça passe, faut juste les rentrer dans l'écran. Faudra lui mettre un petit peu d'époxy. Voilà. Oui, bah même là, normalement ça c'est blanc. Ouais, c'est ça. Et ils ont fait une sorte de couleur un peu dégueu, on va dire. Tu vois, même ça, là, faut que je la reprenne un peu, faut que je la revisse, et tout ça, c'est repeint en blanc. Et alors, t'as fait quoi depuis que tu l'as récupéré? Puisque là, nettoyage, parce qu'elle est dans un état. Je t'avais envoyé des photos en fait, mais elles sont dans un état, mais d'une saleté. Là, il faudra que tu refasses les stickers, ça. Et en fait, ce qui était mort là-dessus, c'est la courroie qui était là-dessus, qui était complètement déchirée, et du coup, en fait, le jeu ne fonctionnait pas. Là, si on met le jeu en fonction, le jeu tourne. Par contre, ici, il n'y avait aucune interactivité entre la borne et la moto. Parce que, en fait, du coup, la courroie était morte, donc du coup, ça fonctionnait pas. Ah ouais, d'accord, carrément. Donc, on a trouvé, en fait, j'ai trouvé pourquoi elle fonctionnait pas. Toi, tu l'avais pas vu, Laurent? Non, c'est la première fois que je la vois. Tu l'avais vu qu'en vidéo? Tout est démonté, elle est très sale. Et comme c'est pour elle est très sale, mais en même temps, ça c'est bien parce que c'est tout blanc en fait, c'est du plastique. Oui, mais ça repeint. Et ça, tu vas pas le repeindre. Si, remets les neuropro de stickers, c'est nickel. Ouais, mais ça. Non, je trouve que le blanc justement, il est pas jauni. Il est blanc. Endroits, en fait. Moi, je le trouve bien blanc. Il est bien blanc, ouais. Il a raison. Il est pas jauni. Effectivement. Mais non, ça. Mais les stickers, mais non, mais. C'est sale de chez l'intérieur. Les stickers, ouais, il faut franchement les refaire. L'intérieur, c'était. Il y avait. C'est pour ça en fait, ces bornes là, elles ont tellement tourné, elles sont sales. Mais moi, je la trouve pas trop abîmée dans la coque. Ça la moto. Va après. Un petit coup de blanc, je pense, quand même, il ferait pas de mal. Je pense, oui. Pour que ce soit la même couleur que ça. Ça va l'avoir bien nettoyé, ça va ressortir. Par contre, le vert là. Ouais, non, c'est moche. Ça, c'est moche, ouais. C'est moche. Mais tu vois, en plus, on voit là. Et là, le topper, ça. Bah, le topper, ça va. Ça change tout, hein. J'ai voulu la démonter. Déjà, la premièrement, quand j'ai retrouvé. Mais là, elle a pourquoi la. Si je la branche, elle devrait fonctionner. Le jeu s'allume, en fait. Le jeu s'allume, fonctionne. Sauf qu'en fait, comme la courroie était abîmée. Bah du coup en fait le jeu ne fonctionnait pas parce que, et le bouton aussi que tu m'as retrouvé Olivier, qui était cassé, qui est juste là, voilà ce bouton là, qui était complètement cassé, et du coup ce qui permet aussi t'as les poignées aussi, les poignées elle est cassée la poignée. Non elle y est. Celle-là là. Ouais. Ah non, il faut juste ça. Va. C'est pas méchant, mais c'est assez simpliste en termes de mécanique, tu vois, c'est un peu de graissage. Mais c'est sympa en fait, parce que du coup on la démonte et puis ça permet aussi de la connaître. Non, le jeu il est quand même. C'est de la belle 3D. Une petite sensation sympa là. Je pense que ça à jouer, ça doit être. Ah, ça à jouer, ça va être bien, ouais. Il y a des sauts et tout. Et voilà, t'as un saut. C'est kiffant ça. Si, ouais.
Plus graphiquement, ça va. C'est pas dégueu. Ouais, franchement, c'est un style graphique la que j'aime bien. La position 3D est pas est sympa. Ah, c'est époque. Ah, c'est un peu le même genre, hein, cigarette. Voilà, Courroie, il y a vraiment un truc. Hein. Il y a un truc qui est bloqué. C'est le ventilo. Non, mais c'est le ventilo, ça. Mais non, c'est le ventilo. Non, c'est le ventilo, ça. C'est la moto. Mais je pense qu'il est grippé. Ça, je pense qu'il est grippé. Faut changer le ventilo. Faut changer le ventilo. Le son, il fonctionne. Oui, quand tu mets en route, ouais. Parce qu'on l'avait mis en route. Mais en fait, le truc, c'est qu'ici, il n'y a pas la clé. J'avais réussi à le passer. C'est et il faut fouiller. Non mais graphiquement ça va, il passe. Ouais, c'est pas. Graphiquement ça va. Ouais. Regarde, si tu veux jouer, t'es obligé de faire tourner la bocane. Et comme la courroie était abîmée, du coup en fait, elle reconnaissait pas les mouvements. Donc du coup tu pouvais pas activer le jeu. Elle est déjà au minimum. Mike, qu'est-ce que t'en penses toi? Ah, elle est très belle. Hein. Tu demandes l'avis de l'expert qui connaît rien en arcade. Moi c'est juste par bon jeu, c'est génial, pour moi c'est le meilleur Mortal Kombat. Ouais, après c'est à l'affect. Pour moi c'est le meilleur. Le 1 je suis pas fan et le 3 il y avait trop de bonhommes et j'aimais pas les Cyrus et tout. Mais ce qui est bien c'est le pas. Oui et puis je l'ai démonté intégralement et je l'ai conservé en fait. En fait derrière ça c'est tout propre, c'est tout neuf. Non mais alors ça c'est 50 Hz ce jeu là. Comment? Il est en 50 Hz hein. Parce que j'ai un balayage. Ah d'accord peut-être. Même là tu vois c'est toi ça. Tu l'as remis? C'est neuf. C'est d'origine. Oh, ça fera, il est nickel. Ça, alors ça, je vois à Julien pour avoir... Oui, Julien, il te refait nickel. Julien, il te refait nickel, ça. Non, je vais pas jouer, mais... Moi aussi. Super Nintendo, moi. Je sais même plus comment on joue, attends. Ça balaye à mort, hein, c'est que c'est du 50 Hz. Ah ouais. Moi, je filme en 60. Je peux pas aller en avant. Il y a un petit souci... Ah, tu peux pas sauter. Ouais, non. Ah, si tu veux, tu arrives. Ah, si tu voulais appuyer là, tu restais longtemps. Je vais faire l'air. C'est celui-là. Attends. Ouais. Je sais faire les fatalités, j'en souviens. Ah, ouais, je les connaissais, mais je m'en souviens plus du tout maintenant. Et te laisse pas le temps en plus, hein, Laurent. Hein. Ah, c'est quoi? Ah, on dirait un TVF parce que l'écran. Ah, ouais, mais il est magnifique. Franchement, hein. L'écran est. Vas-y, j'y ai joué hier soir, vas-y. D'accord, moi je connais pas ce jeu. Moi j'aime bien parce que l'écran est propre. Ah, t'as vu? J'avais plus de persos hier. Avec le Nibios, t'as les boss directs. Ah, ouais, d'accord. Effectivement, t'avais des boss hier. T'avais l'espèce de cylindre puis le truc noir à côté là. Il est sympa le jeu là. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de perso mais il est très agréable. Qui est inaccessible en AES. Ah bah t'as vu combien il s'est vendu aux enchères. Ouais. Tu sais où c'est que t'as trouvé ça? Ta liste de il m'en faut elle est énorme. Non mais ça il me le faut ça. C'est comme la Neo Geo aussi. Il est pas courant. Il est beau le personnage. C'est qui toi? C'est qui? Ben l'autre là, Bruce Lee là. Oh ça j'ai mis l'image du dragon, je me rappelle. En plus celui-là il a vraiment un ton assez pastel. C'était console plus. Pareil, le même. Et il y a combien de World Heroes? 4. Il y en a 4. Tu sais à quoi ça fait penser? Ça fait penser à un film de Van Damme. Tu sais où ils viennent de chaque pays, ça fonctionne. Ah ouais. C'est ça World Heroes. Et le plus abordable et le plus fun, celui-là est bien parce que du coup il y a le jeu en fait où tu peux jouer dans des rings et tout ça avec... Les dead match. Ouais c'est ça, et c'est ça qui fait l'originalité du jeu, qui était abordé dans le 3 et dans le 4 aussi. Il y est là le death match. Ouais il y est. Et tu choisis soit de jouer dans l'écran, dans les niveaux du jeu. Bon Laurent, tu t'es fait engrainer par Mike là, Mike? Il faut qu'il s'achète la Neo Geo là, non? Bah oui. Non, mais allez Laurent. Ce jeu là. Non, faut que j'achète la Neo Geo avec 5-6 jeux, moi ça me suffit. Tu veux quoi comme jeu? Ben, World Heroes 2, Magician Lord, Fatal Fury, Samurai Shodown 1 et 2. En Jap c'est 40 et US, et après, enfin, après voilà, Art of Fighting aussi. NAM 75? Non, je suis pas fan de NAM 75. Et après, qu'est-ce que je ferais que j'achète? Fatal Fury spécial. Fatal Fury 1 et 2. Et ouais, le spécial. Et le 3, je sais pas, je le connais pas. Le 3. Si tu prends le spécial, pas le 2. Le 2 est sympa. Le 3, je le connais pas du tout, le 3. Le Fatal Fury spécial, c'est top. Le spécial, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, les autres, ils sont trop chers. Metal Slug, ça, c'est même pas la peine. Quoi? Lequel? Metal Slug, tout ça, c'était même pas la peine. Quoi.
Même le Windjammer, je crois qu'il est à 1500 euros, je crois. Windjammer ? Achète-toi un Windjammer, je crois qu'il est à... Je crois qu'il est très cher. Hein. Alors, si je comprends bien mes leçons, ça c'est NVS. Oui. Ça c'est NVS. Mais NVS, ça se fait pareil là-dedans. Non, tu peux pas. C'est pas les mêmes PCB en fait. Et alors tu joues comment ça ? Il faut un adaptateur qui permet... Bah, en fait, ce qui permet en fait de convertir cette PCB là dans les sorties. Parce que là du coup, regarde. On le voit ici. Ça, c'est un adaptateur. Tu vois, en ouais, fait, ouais, on d'accord. voit la pin. Et là, on voit la largeur ouais. de la, du MVS qui est beaucoup plus large que l'AES. Ouais, du coup, en fait, ça permet de convertir ah. ton jeu MVS. Ouais, un peu la Super NES à l'époque. Ça c'est ça. Voilà. Sauf que là, les Super NES, c'était les mêmes PCB. Oui. En termes de large. Non, NES Famicom. Tu pouvais les mettre dedans, elles rentraient. Là, là-dessus, ça ne rentre ouais. pas. Parce que c'est, elles sont beaucoup plus larges. Ah, ça rentre pas. Ah, c'est quoi ça? C'est l'adaptateur. C'est un convertisseur qui permet. Mais t'as vu, ils ont sorti la cartouche MVS multijeu. Ils sont non, AES multijeu. Oui, mais c'est celle qu'on avait sur le MVS. C'est de la mauvaise qualité. Ah bon? C'est, ouais, c'est très très mal. Ah, voilà le pirate. J'espère qu'il va faire l'attaque. Il est dur en plus. Au bout d'un moment, il est dur, tu vois. Laisse-moi te un peu là. On voit les sauces. Tu vois, il fait que parler. Il est un peu chaud. Il est fort là-dessus. Hein. T'as un système. Oh là là, cette image, ça c'est. Eh, mais ça. Parce que tu la voyais dans Console Plus en fait. Quoi ça, quand tu voyais non, mais ça. Moi, j'avais reçu. Les filles. Megaman 3. Ah. Et je vois Console Plus et j'ouvre et je vois ça. J'ai dit, bon, allez. Tu veux ma test quoi. On joue à Street Fighter 2 sur Nintendo. Tu voyais ces sprites, regarde avec le. Les filles. Ah, il est dur là. Regarde comme il est magnifique. Mais les décors sont. Mais ce décor il est magnifique. Je sais pas, moi, donc quand je vous écoute, j'ai toujours l'impression qu'il est délaissé ce jeu. Par rapport à toujours. Oui, on entend que. Mais ouais, parce qu'il est beaucoup moins technique en fait. C'est ouais, ça. Le gameplay il est assez limité. Est, voilà. Mais graphiquement, il rivalise quand même. Techniquement, il est très beau. Après, à jouer. Ça reste comme assez limité. Ouais, oui, voilà, ouais. Il est limité dans les coups. C'est un gros jeu, mais il n'est pas super ouais, fun. Voilà, ouais. C'est ça. En fait, tu fais 8 tours, il est assez simple. Ouais. Mais il est fun, quoi. Et regarde ça, les décors. Et puis, c'est tellement incroyable. Bien vendu que du coup, tu peux le trouver à un prix accessible. Ah bon, il a bien marché. Oui, c'est bien vendu. Tu dis quoi? Tu veux quoi? Bah, savoir, dans toutes les consoles, les forums, il y a toujours une daube. Peu importe le style moi, de jeu. Franchement, pour moi, c'est Legend of Sex Joe. C'est un jeu de boxe. Et je dirais Fight Fever. Futsal aussi, Futsal est pas bon. Il y a un jeu aussi Futsal qui est pas terrible. Bah Cyberleap il est pas terrible. Hein. Quoi, t'es sérieux là de ce que tu viens de dire hein? Cyberleap, moi j'ai essayé, bah, je suis pas fan moi Cyberleap. Oui mais on peut pas dire que c'est une daube. C'est pas une daube, on peut pas dire que c'est une daube, mais franchement, pour la Neo Geo il est pas terrible quoi. Tu trouves toi? Même pour une Mega Drive ça serait pas terrible. Ouais. Franchement Cyberleap il est pas bien, moi je trouve qu'il est lent. J'aime pas les tirs, enfin je sais pas, moi il m'a vachement déçu ce jeu. Ouais mais tu sais que ce jeu est sorti quand même avant contre Spirit, donc Non mais il est largement inférieur quoi. Mais c'est normal, il est sorti avant. Oui mais c'est la Neo Geo. Ouais. C'est la Neo Geo là, t'es sur Neo Geo, attends, ils auraient dû faire un truc. Franchement Cyberleap il est pas, moi j'aime pas, hein. Moi ouais. Je trouve qu'il est pas, c'est pas un bon jeu. Moi j'aime beaucoup. Moi je trouve qu'il est, je dis pas qu'il est nul là, mais je trouve que c'est pas un bon jeu. Je vais te le mettre dessus tu vois. Par rapport à Metal Slug. Ah bah non mais c'est sûr. Il y a tellement, ou par rapport à Shock Trooper qui est... 100 en comptant l'MVS, 130 non peut-être. De quoi? Mais jeu. Un full set, c'est combien de jeux? Oui, c'est ça, à peu près 130 en moyenne. Ah non, mais ouais. Bon, je prends qui là? Qui c'est qui est bien, qui est fort? Le premier. Il dit qu'il y a un stage incroyable, décor derrière. Bah, il y a plein de stages, mais le stage du feu. Par contre, n'appuie sur rien. Ouais. Les persos, j'ai trop peur. Laisse le jeu. Non, mais là, je dois régler là. Okay, je fais speed ou power? La musique aussi. Oui, c'était un. Là, j'ai jamais essayé celui-là. Ça, c'est le genre de jeu en fait, c'est un hommage à. Il est bien ou? Ah, oui. Il est très technique, mais regarde. Ouais. Bon, ce stage est pas au top, je trouve pas le plus beau, mais. Là, vous n'en voyez pas du rêve. Mais regarde, il y a une profondeur par contre. Ouais, il est fou, regarde ta jauge déjà. Bon, déjà, les autres coups, ça va. C'est lequel, le mec? Ouais. Je crois qu'il est censuré parce que je suis en US. T'as vu l'ambiance, rien que le bruit des feuillages et tout. Là il y a une ambiance très japonaise en fait. C'est ça, film de samouraï. Il a vraiment une. Après tu mets un garou, t'as tout compris. Tu sais pourquoi. Et ça c'est la fin de vie de la Neo Geo. Non, SNK. Après il y a le Playmore, mais c'est encore une autre. Mais en termes de. Non, il est pas mal, ouais. Enfin, quand tu vois, ils maîtrisaient vraiment la console.
pour faire ce genre de jeu, il fallait remonter de la console. Par contre, je dis, il a vraiment pas fonctionné, ni le 1 ni le 2. Hein. Mais ça, c'est le 2. C'est le 2, ouais. Mais j'ai envie de te dire, par rapport au décor qu'on a vu avant pour World Heroes, où les backgrounds étaient magnifiques, mais très pixels, arrondis, oui. Là, c'est léché. C'est ça. C'est moins, c'est ça, moins t'as pas l'œil, voilà, regarde. Exactement. Il y a plus de profondeur. C'est celui-là, regarde ça, ce stage. Ouais. Alors, mais les effets de flamme. Ouais, t'as la chaleur qui déforme. Mais ça, c'est tiré d'un film, d'un dessin animé, hein. C'est un jeu tiré d'un dessin animé. Le stage est tiré d'un dessin animé. Ah, essayez de vous souvenir. Il est beau, le stage, même, regarde le même feu. Mine de rien, les flammes, elles sont magnifiques. Vous avez fait des formations là qui vont faire pour donner le chaleur, c'est pas mal. En plus des zooms. C'est ça. C'est-à-dire que t'as les zooms et t'as la... Imagine la maîtrise qu'il faut pour pouvoir... Surtout que là, quand tu regardes, tu joues avec des jeux sur 3-4 couleurs seulement. Des dégradés orange, rouge, c'est pas mal. Hein. Bon alors les gars ? Ah il fait beau hein ? Alors ? C'est tout pourri. Ça pleut. Ah, ça... Vous avez l'air d'être démoralisés. Bah quand même. T'es le 13 juillet hein, t'es pas le 25 décembre quoi, t'es le 13 vrai, juillet. Hein. Bah jusqu'ici c'était un beau mois d'octobre. Ouais non. Mais là. Un beau mois d'octobre. Ouais. Bon alors je suis arrivé là. Ouais. Alors il y a écrit camping les deux pins. Eh bah oui. Camping locatif et salle d'arcade. Eh oui. Du genre, t'es pas au courant. Ouais. Bon, hey, c'est chouette là, on est arrivé là. Ouais, regarde, ça avait un beau lac et tout. Bon alors les gars, donc là, pour le coup, donc là c'est projet arcade et on va tourner un jour reviens chez toi quand même. Un jour reviens, le number one d'après ce que j'ai compris. Et c'est ça, c'est le number one. Mais je veux passer quand même 3 jours ici quand même. Bah ouais, tu vas on va voir de l'arcade quand même un peu là, on va discuter les gars. Quand même. Voilà, l'apéro et tout. Bon. Alors non, donc voilà, donc on est à Noul, hein, on est dans les Vosges toujours. Ouais. C'est ça. Et c'est super beau les paysages dans le coin. Ah bah oui. Et ouais, le temps n'y est pas, mais ça va aller, tu verras. Ouais, mais c'est partout dans la France. Ouais, c'est pourri ouais. Partout là. Voilà. Bon allez, projet arcade, toujours, on va passer 3 jours ensemble, on va voir de l'arcade, on va tourner le. On va voir les travaux. Je reviens chez toi. Le projet qui se termine. Voilà. Aussi. Voilà. On est bien là, c'est cool. Par contre, c'est vrai que là, le temps, c'est pas... On n'a pas de chance, hein. Non, c'est pas de chance. Mais j'aime bien, moi, la pluie. J'aime bien quand... J'aime bien cette ambiance. En plus, on est dans les Vosges. Il y a petite pluie et tout ça. Moi, j'aime bien ça. Ouais, mais tu vois, quand tu es en camping et que tu as prévu des activités qui flottent comme ça, bah, tu es là, tu es dans ton biome, tu dis, mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Ah ouais. Parce que là, d'habitude, il fait beau. On dit, bon... Comment ça fait un peu chaud, allez piscine, et puis t'es parti pour. Ah mais tu sais qu'on va même on fait la piscine, t'es chaud pour une piscine même quand il pleut. Moi? Ouais. Bah moi je suis chaud. Pour la déconne. Pour la déconne. Moi je suis chaud, ah ouais. Pour la déconne. Attends, j'appelle Cédric. Bah Cédric, on va prendre l'apéro là. Tu peux venir? Ok, tout de suite. C'est bon. Wow, Jesh Color. Bon, ça va, monsieur Olivier? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, toi, dis-moi. Ah ouais, moi, je vis la nuit en ce moment. Ah ouais? Je suis un peu overbooké. Bon, alors, les gars, on se prend un petit apéro, là? Bah ouais. Ah, on est bien, là, non? Bon, on a vraiment pas de chance pour le coup parce que vraiment là il pleut, c'est dommage hein. C'est vraiment dommage, il pleut, mais bon, on va se faire quand même un barbecue là, ils sont chauds. Ouais. Nono, tu veux faire un barbecue là? Ouais. T'es motivé là? Oui, mais il est à l'abri le barbecue. Et moi j'aimerais bien me baigner, on peut se baigner quand même parce que, alors allez, la piscine est chauffée apparemment. Elle est chauffée à 28, ouais. Chauffée à 28, mais là ouais, t'as une sacrée différence, je peux te montrer d'ailleurs. Alors regarde. C'est quoi? 13 degrés à l'extérieur et 27 dans l'eau. 27 dans l'eau, eh mais on le fait direct. Ah bah tu vas si tu veux. Tu viens avec nous? Non, ça va. On va se baigner non? T'as pas envie de te baigner? Ah non, non, c'est vrai, moi je te jure, mais je vais me baigner. C'est pas le premier truc qui me vient à la tête là. Non. Elle est chauffée à 27 degrés. Donc on est 4 adultes. Hein.
Ouais, mais ça va le faire, t'inquiète. Il faut quoi, briquet? Briquet et le charbon, puis quelque chose pour démarrer. On n'a pas des petits allumes bidules là? Bah, il faudrait... Il en a peut-être, Cédric. On va lui demander. Ouais. Bon, là, on va être en mode barbecue. Là, on va faire le barbecue, un barbecue. Et ensuite, on va faire le « Je reviens chez toi » où on va voir la salle, il va nous montrer un peu tout, Cédric. Et pour le coup, on va faire des petites choses aussi dans la salle parce que j'ai récupéré des PCB de jeux, vous verrez. Et il va falloir les tester pour voir si les jeux fonctionnent. Hein, Cédric? T'as récupéré deux PCB, on dit pas encore quoi, mais on va les tester, on les testera pour voir si elles fonctionnent. Ouais, exactement, ouais. Ah bah oui, deux PCB. On va faire quand même de l'arcade là dans cet épisode, quand même. Un petit peu. Quand même, attends. Un petit peu. C'est la base. C'est la passion avant tout. Ouais. Vous allez faire quoi là? On va voir la salle d'arcade. On va jouer à la salle d'arcade. Ouais, mais moi la salle d'arcade, je dois y aller tout à l'heure, je vais pas la découvrir maintenant. Bah non, il a pas le droit. Là. Eux ils savent comment elle est, faut rien dire à Olivier. On dit rien. Ouais, on dit rien. Ouais, vas-y. Alors la salle d'arcade est censée être là, les petits sont partis, sont revenus. Mais elle est où la salle? Elle est là-haut, j'entends des jeux là. Et pour le coup, je vais pas rentrer tout de suite parce qu'on va faire le « Je reviens chez toi ». Oh, c'est beau là! Je regarde à peine. Donc les petits, ils sont aussi en train de jouer là? Ah bah oui. T'entends l'ambiance? Ouais. Ah, j'ai hâte de découvrir ça. Après, un petit barbecue là, découvrir ça, ça sera sympa ça. Et c'est un des défauts de cette voiture, alors, ça veut dire? C'est un millième du défaut, ça, de la voiture. Non, ah, à ce moment-là? Une espèce de gros tas de merde en inox, qui est juste bon pour en refaire un film, mais qui... Et après, on aime cette bagnole parce qu'elle a un look, mais pas comme elle est faite. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Ah, tu vas nous expliquer ça, alors. Donc là, voilà, là, on va tourner, donc, un « Je viens chez toi », la deuxième partie. Donc, vous avez vu l'extrait dans la première... quand il y avait la musique. Donc là, c'est la deuxième partie d'un « Je viens chez toi ». Et vous allez voir, il va nous raconter, c'est Rudy, il va nous expliquer un peu... Enfin, tu l'allumeras tout à l'heure pour le coup, non? Quand on... Ah, t'es obligé de le... Ah ouais, d'accord. Voilà, vous verrez que dans ce « Je viens chez toi », en fait, ouais, la DeLorean est une voiture. Donc là, vous l'avez reconnu, c'est une DeLorean. Donc voilà. Donc voilà, là, il s'arrêtait de pleuvoir, donc c'est pour ça qu'on a mangé, qu'on attendait que ça se tasse. Donc là, c'est cool, ça se tasse, donc on va pouvoir tourner. Donc ça, c'est dans une autre vidéo, hein, pour le coup, vous verrez cette séquence, ce « Je viens chez toi », dans... Voilà, ça sera pas dans cette vidéo. Bon bah voilà, le tournage est terminé, pendant qu'ils sont en train de faire les zouaves dans la piscine, et bah avec Cédric on va faire la visite, le « Je reviens chez toi » de la salle d'arcade. Donc vous allez voir des petites séquences, et après bah vous verrez, on y retournera, et on va faire du bricolage, etc. etc. Donc là on tourne la séquence, et ensuite on sera déjà en mode posé, ce sera, la journée sera posée pour moi. 1, 2, 3. Salut à tous! Salut Wawa! Ça va Cédric? Bah oui! Allez, c'est parti! Ah ouais! Elle te rappelle quelque chose celle-là? Enduro Racer! Enduro Racer 86. Ça c'est nouveau ça! Voilà, et très bizarrement, est un meuble d'une espèce arrière. Alors je sais pas pourquoi. Alors, c'est une reconversion. Certainement, ouais. Donc ça, ce sera une séquence dans Projet Arcade Plus. Ok, voilà. Donc c'est des petites découvertes, on s'aperçoit quand on ouvre la porte derrière, on verra ça, à vous de voir la vidéo. Voilà, soyez attentifs. Voilà, donc après 80 Wheelers, Naomi 1, système Naomi 1. Ah ouais, franchement ta salle elle est vraiment super top. Hein. Bah, on est bien, hein. Bon là on a filmé de tourner, Oh là je suis fatigué là. On a fini de tourner. Tu tournes le fait que tu es fini de tourner. C'est ça. Exactement. Donc là en fait... On va à la piscine non. Ah tu vas à la piscine toi là, t'es au taquet. Bah, donc la soirée commence là. Ouais, la soirée, tranquille.
Dégustation de vin d'Alsace. Ah oui, d'accord. Voilà, Jérôme, Gège. Ouais. Comment ça se passe pour vous là? Ça va bien. Cédric il est en pause, il est en mode. Il se lâche. T'as soif, tu veux quelque chose tout à l'heure tu... Moi je veux bien une pina colada. Pina colada. Allez, c'est parti. Et Jérôme, après on va aller jouer. Hein. Ouais. Hey, Tom Cruise là. Non, peut-être pas. La Tom classe, Cruise. Merci Tom Cruise. Bon. Moi? À la tienne. Santé. À la tienne. Monsieur. À la tienne. À la tienne. Alors après on va se faire, bon là on se fait une petite pause et après on va se poser dans la salle. On va faire des parties. Tu vas te poser parce que moi je bosse. Ouais. Nous on va moi, se poser. Moi, je viens moi j'ai tout le temps, j'ai tout le temps maintenant, c'est sur place, c'est dans ouais, mon jardin. Tu m'étonnes. Bon alors Arnaud. Ouais. Toi t'as pas perdu de temps, t'es déjà là quoi. Ouais. En fait celle-là je la squatte depuis le début là. Je la kiffe. Grave. Pour la petite histoire, c'est la première race cam auquel j'ai joué quand j'étais gamin. Ah oui? La Cigarelli, ouais, c'était en Angleterre. Ce modèle-là. Ah mais, et son image, elle est nette! Elle est propre, hein? Ah, il a une image? Alors, par contre, tu vois, j'aimerais bien la tester sur la l'autre qui fonctionne sur LCD maintenant, là. Ouais. Pour voir la différence. Jérôme, tu peux pas jouer à ça. Pourquoi? T'as pas la force. Non. T'as la force. Ready? Go. 1, 2, 3. Allez, 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 allez. Go. Give up. 1, 2, 3. Bonus stage, allez vas-y. Ready, go. Allez, 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 allez. Avec des deux mains. Allez, allez, allez. En fait, faut que tu tiennes le plus longtemps possible pour voir ta force. À mon tour de te montrer. Je fais quoi avec mon petit doigt? Ouais. Ready, go. L'air de rien, ça, c'est plutôt sympa. Ouais, c'est dur, hein. 1, 2, 3. J'aime bien parce que ça, il y a vraiment, tu as vraiment un bon feeling. Ah ben, ça fait réel, hein. Ah ouais, hein. Ça fait vraiment réel, hein. Mais bon, les stages, bon, allez, on va voir ce que je joue. Ça fait, elle fait 44. Non. Attends, je vais mettre en hard. 15e. Attends, je vais essayer. Attends, il refait une partie en hard. Oh. C'est les tiens. Si, si, tiens, lui. The best one. Lui, c'est impossible de l'avoir, ça. Ah bon? Et lui, c'est chaud. C'est no way, no way. Mais c'est un truc de malade. Ah ouais? C'est un truc de psychopathe. C'est impossible! C'est un truc! Comment t'as fait pour le choisir? Mais c'est facile! Attendez quelqu'un! Non. Allez, vas-y! C'est un truc de... Allez, papa! C'est un truc de ouf, hein! Ah, je peux pas. Je peux pas. C'est impossible. Ah, tu peux pas. C'est impossible de le faire. C'est chaud, c'est trop chaud, tu peux pas. Tu t'es fait mal? Non, tu peux pas le faire. C'est impossible. Ah non, c'est chaud. Je vais donner juste des petits coups de frein pour pas tirer en dérapage. Ah, c'est celui-là, il est beau. Ah, celui-là, je l'aime aussi. Ça passe. Ouais, je commence à la connaître un peu. Ça c'est le concurrent de Virtua Racing de chez Namco.
Ouais, c'est propre. Hein. Ça me tente bien de tester le Sega Rally après pour voir ce que ça donne. Ah oui, pour comparer avec autre. T'as le retour de force là hein? Bah, je sens un espèce de petit. Non, y a pas, et pour moi, y en a pas. Non, pour moi non plus. Hein. Pour moi, y a un réglage à faire. Tu crois? Ouais. Je sens qu'il y a une espèce de vibration, mais c'est pas ça. C'est le jeu qui passe dans la borne. Mais... Ouais. Il est plutôt beau comme jeu. Hein, ouais. C'est correct, c'est une 3D que j'aime bien. Ça. C'est une 3D qui passe bien encore aujourd'hui. Ouais, ouais, un peu bah, comme la Sega Rally. Hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, tu veux faire quoi là? Sega Rally pour tester. Ah oui, d'accord. Par rapport à l'autre, tu tournes sur le vrai PCB. Alors, ce qui est bien en plus, c'est que c'est en 16/9 maintenant. Normalement, dans le jeu, c'est en 16/9. C'est-à-dire que comme le jeu en 3D, voilà, il extrapole. C'est-à-dire que le jeu d'origine était capable de gérer le 16/9. En fait, il recalcule pour le faire, ouais, en 16/9. C'est ça. C'est pas étiré, c'est retravaillé. Ouais. Et on le voit bien, l'écran là, il reste en 2D. Ouais, mais après, dans le jeu, ça va être quand ça passe en 3D, t'as vraiment le 16/9 plein, quoi. C'est génial, ça. Et sans étirer l'image. Ouais, c'est-à-dire que c'est vraiment comme si c'était ce qu'on voyait pas avant, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, c'est propre, hein. Ah ouais. Ah si, c'est top. C'est pareil ou pas? Bah, il n'y a pas le retour de force, là, mais je devrais censé l'avoir. Je sens qu'il travaille, mais il y a peut-être un réglage à faire pour qu'il soit un peu plus fort. Ici, la jouabilité, c'est pareil, hein. Il doit être mieux, lui. Bah, l'image est vachement plus propre, quoi. Oula! Oula! Voilà toi, avant qu'on se laisse pour aller faire dodo, va nous tester le fameux toi qui fait 1m90 et 250 kg, là je vais y arriver, là non, mais c'est prends qui a lancé la partie, c'est pour ça. Attends, on va la laisser. Ouais, il faut faire le dernier, c'est ça. Ouais. Là je suis curieux. Ça passe, non? Ah, d'accord. Non. On veut voir ça. On veut voir ça. Attends, Jérôme. Jérôme, viens voir. Plus. Un coup, après, t'as mal. Là, Et ça fait mal, hein. 1, 2, 3. Et il y en a encore un. Le verre est chaud, là. Le verre est chaud. Ça fait mal, hein? Ah ouais. Ça va, Jérôme? Déjeuner, ça va? T'as bien dormi? Impeccable, ça y est, je suis en forme, moi. Est-ce que tu vas jouer à la borne, là? Pas tout de suite. Pas tout de suite? Après, ouais. Je vais à la banque, je vais chercher 2-3 courses, et je reviens. Et après, t'es au taquet? Après, taquet, borne, tout ce qu'il faut. Piscine. Il est marrant. Piscine. Ah, j'y suis pas allé à la piscine hier alors que je voulais y aller. Ah, bah la piscine, hein, il fait beau là. Alors, vous jouez à quoi dès le matin? Vous jouez à Ghouls and Ghosts? Vous jouez à quoi? À Fortnite. Non, non, c'est pas vrai. Tu joues à Final Fight? Non. Fortnite. À Mario Bros. Non. Ghouls and Ghosts, Final Fight. Ça non. Va. Non. C'est pas ça? Fortnite. C'est nul Fortnite. C'est dépassé Fortnite. Ouais, mais attends, tu joues à Street Fighter quoi. Toi tu joues à Street Fighter, non? Oui. Hein? Bah aussi Street Fighter, c'est dépassé. Viens voir, il y a des abonnés. Ah bon? Sérieux là? Je te cherche. C'est vrai en plus? Non, tu déconnes. Bah si, je déconne pas. Bah on en a déjà là, ton petit là, les deux côtés là. T'as une porte sinon là. J'arrive. Montre-nous ça, qu'est-ce que t'as de beau là? Ah. Gap. Donc ça c'est un pin cab. Non, oh. Ouais, l'envoie et tout. Oh, mais c'est beau tout ça là. On dirait une rôtisserie. Ah, c'est super chouette.
Et donc c'est toi qui t'es fait ton petit délire On va dire que c'est des écrans de récup et après du coup... Bah, et c'est quoi, c'est quelque chose que tu vas vendre ou c'est... Non, du coup c'est fait pour les enfants. D'accord, d'accord. Et, du coup, de la récup et... D'accord, c'est pas dans un but commercial, non. C'est un but du kiff pour toi quoi. Voilà. Bah vas-y, allume-nous sous ça là, ça... Chercher la pile. C'est pas à pile. Batterie. Batterie. Dis-moi mais... Sur quoi tu cherches? McFly. C'est Marcy. McFly. Moi, je viens de allô McFly. Allô McFly, il y a quelqu'un au bout du fil. Il y a quelqu'un au bout du fil, McFly. C'est toi. McFly. Ça va, il va mettre les bottes là. On va mettre quoi? Un retour vers le futur? Non, non, mets un Bat 4. Ah, le Bat 4, c'est... Donc c'est le start, part. Là. Oh, le tire-bille, il est dur. Tu sais que tu peux alléger le ressort en mettant en enlevant des spires. Bah, du coup, j'en ai déjà enlevé une. Ah ouais, t'en as déjà... Oh, mais une, c'est pas ça. Moi, chez moi, j'en ai enlevé plus parce que... Si j'en enlève plus, t'as trop mou. T'as mis des contacteurs, là? Ouais. Ah, on les sent. Mais du coup, faut que je les rechange. Ah bon? Parce que... C'est en 12 volts, parce que je vais mettre en 24. Pas cette patate. Ouais. C'est propre, hein. T'as une caisse. T'as une KL 25Z non? Ah oui, ouais, t'as ta vidéo, ouais, t'as des. La bille qui fait du ce qu'on appelle du slutter. T'as mis le truc qui bloque les fréquences à 60 FPS? Faut le mettre ça dans VPX. Alors qu'est-ce que t'as mis là? T'as mis des pieds. C'est que de la récup, donc c'est notre ancien canapé. Ah ouais, t'es sérieux? C'est la structure de notre ancien canapé, donc du coup, j'ai refait la soudure à l'intérieur. D'accord. Et j'ai tout soudé, j'ai adapté la soudure par rapport à l'autre. Ouais, c'est sympa. C'est chouette, hein? Alors, le produit PinCab, qu'est-ce qu'il en pense? Là, c'est le diagnostic. Alors, moi, personnellement, je suis toujours plus fan des PinCab en taille 1-1. Ouais. Parce que, voilà, c'est comme ça que j'ai fait ça, le mien. C'est un poche. Mais ça, c'est... Ouais, non, c'est pratique, ouais. C'est vrai que, bon... Bah, tu vas au camping, tu l'amènes au camping. Le mien, j'aurais pas pu l'amener au camping, car... Voilà. Il fait un poids de vache, pour dire autre chose. Que là, bah oui, c'est transportable, c'est sympa quoi. C'est cool, hein? Et t'as quand même réussi à mettre du Toys dedans, donc c'est quand même. Et alors, c'est quoi ça? C'est pour jouer en tâté, c'est ça? Alors, ça, c'est pour jouer à tous les shoot'em up. Voilà, en tâté, en. Ok, en vertical quoi. Jouer à ça. Voilà, la journée commence bien. Ouais. Avec un petit entre deux nuages. Et après, pour le coup, on ira normalement, on ira dans la salle. Ouais, pour le projet. Ouais, pour voir un petit peu. Sur les PCB fonctionnent. Voilà, ouais, tout à fait. Vous l'aviez vu dans le Je reviens chez toi. On n'avait pas dit ce que c'était comme PCB. Ah non, c'est la surprise. Et là, on va le voir pour le coup. Oui. On vient de finir de manger. Ouais. Et regardez qui vient de nous rejoindre, Quentin. Qui était l'homme discret, l'homme de l'ombre du projet arcade. L'homme de l'ombre. Monsieur Chrome. Monsieur Chrome, c'est lui qui fait que ça brille. C'est, il a un chrome, il doit beaucoup d'argent ce monsieur. Il nous a ramené de la flotte. Bon alors ça va, c'est. Tu viens d'arriver là. Bien passé, au rosé. Au rosé. Voilà. Donc là alors aujourd'hui on va faire quoi? Est-ce qu'à un moment donné on va aller tester. On va faire aujourd'hui là. Tu crois? À 14 juillet. Tu crois? Ouais, c'est vrai que peut-être demain. En fait j'ai décalé un petit peu, je vais partir peut-être le vendredi matin. Ah, tu vois, on a le temps. Donc on a le temps, en fait. Et on est content de tout ça. Bah oui, ça fait plaisir. On se retrouve, le projet arcade. Le projet arcade, c'est devenu une famille. C'est la famille arcade, je le dis. C'est vrai, c'est la famille arcade. On est là. Jej, le projet arcade, c'est la famille, c'est ça? Ouais, c'est la famille. Bah oui, regarde, tiens, regarde, encore une fois, tiens. Là-bas, là, là, le camping. Partout, hein. Et en plus, fatigué, Jérôme. Ouais, je suis fatigué, bah, je suis un peu ému. Ah oui? Je suis ému. Ah oui? Bah oui, ça m'arrive d'être ému. Ma femme qui me demande de se marier là, mais attends. Ah oui, c'est pas l'histoire. Ma femme veut se marier là, tu vas être obligé de revenir. Hein. Ouais. Va se marier ici. Non, c'est pas pareil. Bon, ouais. Il croit que c'est ici pour y aller. Alors, sous la pluie, c'est pas bon. Bon, ouais, Quentin, tu vas nous faire une partie à Super Angon? Super Angon et que... manque cet été s'il y a. Non, il n'y a pas manque cet été. Ah, mince. Mais parce qu'en fait, on ne sait pas, mais toi, t'es un pilote de moto. C'est ça. Donc, un vrai pilote. Je vais essayer de faire un record. Tu vas essayer de faire un... Tu penses que tu pourras faire un record à Super Angon? Ouais. D'ailleurs, si tu vois dans ta Outrun, je suis encore sur les lignes du top normalement. Oui, bah il y a longtemps, non? Oui. Il y a longtemps que tu y es plus, je crois. Ah merde. On n'a pas de chance encore, il pleut. Hein. Oh, ça pleut, c'est pas grave.
Le principal, c'est d'être ensemble quand on joue. Bonne compagnie. Ouais. Ok. Tout le monde va bien, tout le monde est bien. Des surprises, des petites surprises comme ça. Il y en a qui débarquent. C'est pour voilà. La journée. Comme il y a des gens, ils disent tout va bien. Ils arrivent comme ça, une tête qui apparaît. Tout va bien. Ça fait plaisir ou pas? Après, on va dire. T'es content, t'es content, t'es pas content. On va dire, t'as le cœur qui bat vite. Bah oui, tout va bien. Allez. Attends, on lui met le pire. On va voir si t'es bon, si c'était fort. En fait, t'as deux jeux à tester, Quentin. T'as celui du bras de fer et t'as Segarra derrière. Je vais faire vidéo, je vais faire celui-là, moi. Rien que lui, déjà. Regarde, lui, rien que lui, là. Mets-moi lui. Déjà, lui, il est chaud. Je l'ai testé tout à l'heure. Ça n'a pas commencé, là. C'est déjà dur. Ça pousse, hein. Il est chaud déjà, hein. C'est juste que tu vois un peu le style. Non, mais ça va, là. Non, mais ça va. Je l'ai plié, là. Ouais, ouais. Ça y est, tu fais mal au bras. Voilà, voilà, maintenant ça va arriver là. J'ai l'impression qu'il va le faire bien lui. Hein. Oh putain, foiré. Et là, il met tout son corps. C'est chaud. C'est chaud. Bon, Robocop, il va pas m'emmerder. En plus, il met tout son corps. Regarde comment il est venu. Le mec, les deux mains. Il est mort, hein. C'est chaud, hein. C'est chaud. T'as pas gagné, hein. Merde. Bah non, t'as pas gagné. T'as perdu. Bah oui, t'as perdu. Mon Dieu. C'est chaud, hein. Et pourquoi pourtant j'étais là-bas? Mais ouais, non, faut aller encore plus là-bas. Ah ouais, d'accord. C'est dur, hein. Moi, j'y arrive. Regarde, c'est lui direct, là. C'est le gros direct. Papa, t'y arrives pas. Ouais, moi non plus, je trouve. Non, plus t'as fait direct. Mais ça va, il met son corps, regarde, il met son corps. Tu sais que normalement t'es pas censé mettre ton corps, hein. Normalement t'es censé être droit. En fait faut être droit normalement. Hey, les gars, en fait faut être droit comme ça, tu vois. Pas comme ça. Faut que tu sois droit, c'est ton bras qui bouge comme ça. Parce que si t'es comme ça, c'est normal, tu mets ton corps pour aller le chercher. On va faire une vidéo dans le scoop. Là je suis mort. Je mets 5 secondes de plus avec mon boîte manuel. Tu veux la tester là? Ouais. Allez, viens de le faire. Lenny, si tu veux passer sur YouTube, qu'est-ce que tu disais à Léa parce que j'entendais pas? C'est qu'elle avait des tontons en famille. Et ben, si on avait des tontons en famille, c'était Wawa. Et ben, en fait, il avait dit c'est comme un chien, c'est Chihuahua. Ah, moi, c'est Chihuahua? Ah oui? Ah. Wawa? Je suis Chihuahua? Quel jeu arcade vous plaise ici? Le raquette, c'est ce que je voulais sur là-bas. Avec les voitures, avec plein de jeux de voitures? Ouais, moi c'est le jeu de tennis. Et vous aimez bien l'arcade, alors est-ce que ça vous plaît l'arcade? Oui. C'est quoi une arcade? Bah, une arcade c'est ça, c'est le meuble, ça. Tout ça c'est un jeu arcade. Ça c'est un jeu. Tout ça c'est de l'arcade. T'aimes bien? T'aimes bien? Et toi Lénie, t'aimes bien l'arcade? Oui. C'est quoi? Alors c'est quoi ça? Ça s'appelle comment ça? Une arcade. Une arcade? Ouais. Donc Léa, c'est une arcade ça. C'est bien. Vous voyez, on est en train d'apprendre aux enfants. On convertit les enfants. Viens voir hein, Louis. Louis, viens voir. Comment on appelle ça derrière? Ça s'appelle comment derrière? Ça, ce meuble, c'est quoi? C'est quoi? Un arcade, un quoi? Une arcade. Ça s'appelle comment? Une arcade. Et t'aimes bien l'arcade? Les bandes d'arcade? Est-ce que vous croyez les enfants que dans 10 ans, dans 20 ans, vous jouerez encore à l'arcade? Ouais, non. Si. Ok, oui. Oh là là, Louis, qu'est-ce qui t'arrive là? T'es premier! T'es le meilleur, non? Ouais.
pas? Ah oui. Donc c'est sûr, c'était toi le premier là. Qu'est-ce que ça fait d'être arrivé le premier? Donne-nous tes impressions. Rien. T'es fier? Il vient de se passer quelque chose en direct là, Jérôme. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Là, qu'est-ce qui vient de se passer pendant que j'étais en train de filmer? Il y a une news. De temps en temps, on regarde sur Facebook et là, il y a apparemment un Twin à vendre. On a un Sega Rally. 700 € deux joueurs. Donc moi, je prends un morceau et je reprendrai l'autre morceau. Parce que j'ai. Oh là 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 là. Moi, je veux faire ça là-bas. Tu veux la même chose? Du coup, celle-là, tu pourrais la transformer comme celle-là. Ah, c'est bien pour moi. C'est la même que ça, mais comme ça. D'aucun moyen. Ouais. Encore un autre. Il faut que je retrouve l'annonce là, mais on va regarder ça. À cause de lui encore. C'est le virus. Encore, mais le... Lui c'est pareil, il y en a pas une, deux, trois, quatre, cinq. Et bah voilà le bordel. Mais moi je fais ça là-bas. Je fais ça comme ça là-bas. Tu veux avec plusieurs jeux. Multi-jeux quoi. Ouais, multi-jeux c'est pratique pour les enfants, pour tout le monde, c'est bien. N'hésitez pas à m'appeler. Camping Les Deux Pas, je suis à 120 km. Vous étiez dans le projet arcade. Tu fais chier, Wawa. Ouais. Il veut pas. Ah oui, je suis avec Wawa ouais, d'ailleurs. Alors bah ça y est, on a été la chercher. Enfin, ça a été la chercher. Elle est récupérée. Voilà. Elle est là, ils sont là. Ils sont là, les deux. La Twin en question. Voilà. La Sega Rally Twin pour la salle d'arcade. Donc il y a un côté pour Jérôme et un côté pour moi pour compléter. Pour l'avoir en deux joueurs. En plus, ça. Il fait toujours mieux. Ça y est. Voilà. Allez, salut. Alors croyez-le ou non, entre deux négociations de bornes d'arcade, là il pleut. Donc on va vraiment se faire, on va se baigner, on va dans la piscine sous la pluie. Sous la pluie. Alors? Allez Bob. Ça va? Allez top. Comme vous avez vu, quand même, une DeLorean là, c'est pas rien ça, mais vous la verrez dans un Je viens chez toi plus en détail. Ce qu'on va faire, c'est que cet épisode va se terminer, je pense, en haut, dans la salle d'arcade. On va aller voir les PCB qu'on avait vu dans le Je reviens chez toi. On va se faire une petite séquence, on va se poser et on va essayer de tester ces deux PCB, on va tout vous expliquer. Bon alors les gars, ça va? Alors dernière séquence de cette vidéo qu'on baptise les vacances du projet arcade. Vacances projet arcade. Ouais. On a commencé le barbecue chez Cédric et on termine chez Cédric, ouais, le deuxième Cédric au camping. Donc là, on avait dit dans Je reviens chez toi qu'il y avait deux PCB qu'il y a ici. On n'avait pas dit... Mais en plus, toi, t'as du bol, parce que trouver deux PCB comme ça, au prix où tu les as eus, franchement... ça va. Moi, je m'attends... Alors, tu m'as dit, ouais, tu peux aller les chercher. Je dis, pas de problème, c'est vrai que c'était sur la route. Je m'en allais chercher l'horloge de l'hôtel de ville. Et tu me dis, pour la déco, justement, du camping, et tu me dis, ouais, il y a deux PCB. C'est vrai que c'était un 5-10 minutes, c'est vraiment un coup de bol, quoi. C'est vrai, fou. C'était un coup de bol de ouf. Hein. Alors, ouais, le propriétaire de la DeLorean habite à peu près à une heure d'ici, et en fait... Donc ça tombait super bien. On a tapé l'adresse, et on s'est aperçu que c'était à même pas 5 minutes, quoi. Donc ça, c'est dommage de ne pas passer et à côté, enfin, c'est dommage, ça serait dommage de passer à côté. Donc là, on se retrouve avec deux PCB. Alors, en plus, c'est complètement fou de se retrouver avec ça. Une Space Harrier. Space Harrier. La Space Harrier, parce que toi t'as une Space Harrier. C'est ça, ouais. Donc forcément c'est... Donc une Space Harrier et une Enduro Racer. Alors comme vous pouvez voir, c'est quasiment... Bah c'est les mêmes cartes. C'est le même système en fait. Voilà, c'est le même système et moi en plus j'ai la chance d'avoir... Enfin la chance qui est pas en super état, mais je vais avoir le temps de le faire tranquillement cet hiver. Ça fera d'ailleurs partie des prochaines vidéos. D'avoir l'Enduro Racer et comme on peut voir... C'est exactement la même. C'est exactement la même carte. Alors
Après, il y a des modifications qui ont été faites par la suite sur ces jeux-là, d'après ce que j'ai compris. Des révisions, c'est ça que tu veux dire ? Il y a des révisions, des évolutions. C'est-à-dire que Sega a eu la mauvaise idée de faire pendant des années des jeux avec ce qu'on appelle une pile suicide. Donc la pile suicide, c'est ce gros pavé-là. Et là, on peut voir, il y en a une là. Et il y en a une deuxième ici. Et ça, c'est à double tranchant, ça. Ouais, c'est à double tranchant. Alors, c'est soit la pile fonctionne encore, mais ou alors la pile, elle marche plus. En gros, c'est un peu ça. Ouais. Et si ça marche plus... Sachant que sur ton PCB d'origine, là, t'en avais pas. Ça a été modifié. Elle a été désuicidée. Voilà. On peut dire ça. En fait, c'est, on met quelque chose pour... pour garder la mémoire. Voilà. C'est-à-dire, alors, je sais pas si c'était... Alors, plein de systèmes, on l'ont fait comme ça. Il y avait la Silent Scope, qui avait la fameuse puce Dallas, avec également une mémoire à l'intérieur qui a eu le même problème. C'est-à-dire qu'au bout de quelques années, quand la pile ne fonctionne plus, eh bien, en fait, le jeu perd sa mémoire et ne démarre plus. Oui, mais alors, pour le coup, c'est vrai que les piles, en général, elles ont tenu des années, les piles, quand même. T'imagines, sur 86, alors on ne sait pas depuis quand c'est en panne. Mais 86... Alors, on ne sait pas si elles sont en panne, d'ailleurs. Attention. Ouais, il y a ça aussi. Non, là, c'est-à-dire que je les ai achetées, mais je ne sais pas. Elles sont fonctionnelles. Peut-être ça marche. C'est pour ça qu'on va tester. Et là, on triche pas, on sait même pas si ça fonctionne. Oui, c'est ça. Là, c'est vraiment, on va le voir avec vous en même temps. Voilà. Donc là, voilà. Et en plus, tu as eu du bol parce que tu as récupéré un amplisson de Sega. Ça, c'est l'amplisson. Voilà. C'est fou, hein. Ouais. Et en fait, alors je sais pas où sont partis les bombes parce que quand j'ai téléchargé, il y avait vraiment plus rien, il y avait plus que ça. Et quand je suis arrivé, j'ai vu que c'était encore sur plaque métallique. Je me suis dit, peut-être que ça doit fonctionner parce que, comme tu peux voir, c'est pas démonté à la bourre. Hein. C'est très propre, il manque pas de composants, d'après moi. J'ai regardé, mais pour moi elles sont complètes. Donc, t'en penses quoi toi Arnaud? De savoir si ça va marcher. Ouais, t'en penses quoi? Comme il dit Cédric, elles sont propres quand même. C'est impossible de savoir. Mais elles sont propres. Ouais, elles sont propres, et c'est ça, et après, bon voilà quoi. Alors bon, là je viens de m'en apercevoir, regarde, là t'as peut-être... Ah bah non, ça a été remodifié. Tu vois, ah bah si, regarde, déjà t'as peut-être ça, tu vois. Ah, je viens de le voir, le condo, bon, c'est peut-être pas grand-chose. Mais il est plus dans... Parce que ça, c'est la carte son, d'après ce que je comprends. Oui. Il doit avoir la carte son, ça c'est la carte son, ça c'est pareil, ça doit être ça. Et ça, c'est ce qui gère le jeu. Ça doit être un truc comme ça. Si c'est le son, pourquoi? Parce que ça fait comme la Outrun, ça sert avec les mêmes... Exactement. Donc ah, ça, il a carrément dessoulé le truc, parce que vraiment, c'est un qui est collé au PCB. Ouais, donc ça a été déjà modifié là-dessus. Mais là, c'est pété. Et on voit qu'il y a quand même une petite amélioration de fait entre celle-ci et celle-ci, entre l'aspect sérieux et l'enduro-resseur, parce que, tu vois, c'est pas les mêmes branchements. Là, c'est quoi? Là, c'est l'aspect sérieux, celle-là. Ça, c'est spécialeur. On le voit, c'est toujours noté sur la PCB. Ah, toi, c'est spécialeur. C'est quoi? C'est du bambou, ça? Ou c'est des thermistors? Non, c'est thermistor, mais ça, ouais. Non, c'est... Et t'en avais pas, là? Ouais, tu vois, c'est modifié. Mais alors, le système, à mon avis, est exactement le même, mais la carte son est évoluée avec les... C'est une révision, quoi. Ouais. Et parce que spécialeur, quand même, est de 85, ouais. Et Enduro Racer, si je dis pas de bêtises, 87? 86. 86. 86. Donc il y a une année de... Et je crois que le Hang-On, pas le Super Hang-On, mais le Hang-On, c'est le même système. Normalement, il me semble que c'est ça, ouais. Parce que dans Arcade Moissa, il en avait réparé une, André, et donc c'était il y avait un truc comme ça, c'était la même chose, et j'avais vu qu'il avait exactement le même jeu sur une Hang-On, pas Super Hang-On, parce que la Super Hang-On n'est pas la même encore. Regarde, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une bande Enduro Racer, mais viens voir. Regarde ce qui est noté là. Space Harrier. Oh la vache. Tu vois? Bah il y avait des kits de conversion hein. Voilà. Donc c'est un meuble Space Harrier. Et en fait dedans c'est une Enduro Racer. Alors je comprends pas pourquoi ça a été modifié. Enfin. Mais donc voilà, on sait qu'à l'origine ça devait être une Space Harrier. C'est fou hein. C'est fou hein. Ouais. H-A-R-R-I-R arrière. Je viens de le voir. Donc ouais. C'était même... C'était à mon avis, ça a été bricolé, c'est une plaque de space arrière avec un truc, c'est eu quelque chose, je sais pas ce qui s'est passé sur cette borne, mais... Et bah, peut-être l'année d'après, comme il est sorti un an après, en fait, ils ont reconverti complètement la borne, ouais. En changeant le stick par un guidon, c'est tout, hein. Ouais, non, mais ouais, c'est... Alors, attends, donc ça, c'est la partie basse, on va le faire comme ça, parce que ça, en fait, c'est tout simplement la vidéo. Ah, c'est soudé. C'est soudé au dos de la carte. Non. Je le vois. Si, je les vois derrière. Donc les connecteurs, on peut pas les utiliser, cela. Ça, ce qui est là, ça, c'est soudé au dos de la carte. Ah mince. Ouais, c'était bricolé. Alors, c'est sur le deuxième, donc ça, c'est... Je pense que c'est mort. Alors, sauf si c'est pas de la lime. Parce que tu peux toujours... Si, c'est de la lime, ça. Ah, merde. C'est du 5 volts. En jaune et blanc, comme ça, chez Sega, c'est du 5. Bon, ça, c'est pas cool. Donc ça veut dire que c'est râpé. Mais ça veut dire qu'en fait, c'est déjà... connecteur. Ouais, ça... Alors attends, on dit des conneries.
Regarde. Donc ils l'ont chanté, ils en ont fait un. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, ça, ça va là. Ouais. Attends. Non, ça, ça va là. Attends, attends, attends. Je suis en train de mélanger les pinceaux. Non, ça, c'est là. Et ça, c'est là. Oui, mais il va te manquer un connecteur pour moi. C'est en gros, chaque PCB a sa propre ligne. Non, et à mon avis, ouais, ce qu'ils ont fait, c'est que la connexion doit avoir un mauvais contact devant, où le peigne était mort. Et du coup, l'ont soudé directement derrière la carte. Du travail de sangouin. Ouais, c'est ça. Alors, en mode exploitant, quoi. Ouais. Là, t'as un connecteur ici. On peut s'en servir de ces connecteurs. Ah, peut-être, attends, on va regarder. On découvre, hein. Franchement, j'ai même pas regardé ce qu'on a acheté. Ouais, parce que regarde. Donc, tu vois. Donc on a bien à la fois certainement le 5 volts et tu vois ouais si il y a un gros bidouillage de fait à la base. Parce que ça va sur le bloc, ça va sur l'alimentation. Tu vois? Ouais. Ça va sur les bandes de l'alimentation. Bon, ça va pas être juste du plug and play quoi. Il y a un mauvais jeu. Avec les années, il y a un mauvais jeu. Moi sur la Outrun, je l'ai le problème. C'est-à-dire de temps en temps, il faut que je touche à la connexion pour recréer le 5 volts. Et à mon avis, il y a un mauvais contact qui se crée avec les années. Donc les mecs, pour plus avoir de problème, ils soudent directement sur la PCB. Mais le problème, c'est que le jour quand t'as un souci comme ça, tu sais pas le démonter. Parce que là, c'est même plus branché, comment c'est fait après. Là, tu vois, après, ça passe par ce gros domino, là. Parce qu'à mon avis, parce que c'est même ça, c'est pas d'origine, hein. Souvent, chez Sega, c'est les portes fusibles, ou alors carrément avec les cosses, tu vois. Déjà là, ça a été modifié. Donc, à la rigueur, ce qu'on peut même faire, parce que si c'est ça, on va pouvoir le faire, hein. Ça, on branche là. Ah, tu vas prendre directement le câblage existant là. En fait, sur le domino. Déjà, on peut peut-être mettre l'image. Là, tu peux. Ouais. On peut faire ça. Et on récupère là-dessus. Moi, je vais le brancher là-bas sur le domino. Et j'aurai à la fois le jus qui va arriver dans la PCB. Et on va pouvoir voir, comme on a simplement déjà au moins la vidéo et l'alimentation, on va voir s'il y a quelque chose. Ouais, c'est ça. Tu dois avoir au moins un voyant, quelque chose qui s'allume. Quoi. Donc le rouge. Chez Sega, que je dis pas, enfin ça sort le câble rouge, ça rentre ici. Et le rouge qui est là, donc le jaune. Le jaune c'est le 5 volts et le blanc c'est le commun. Ouais, le 12 en fait, ça a toujours été. Le 12 c'est pour le son et le 5 c'est que pour le jeu. Donc en fait, tu as besoin simplement de la masse. Le 5 volts, tu l'allumes et normalement la PCB démarre. Le câble est là. Connecté légèrement. Tu vois, c'est déjà. Moi, je l'ai acheté, c'est déjà pas la ligne d'origine. Parce que. Mais la tienne, elle a été complètement modifiée. Hein. Celle-là. Mais le problème, c'est ça, c'est que c'est des meubles à la base. Comme je dis encore, c'est pas état collection, mais enfin, ça les rend fonctionnels. Mais c'est vrai que ça fait le taf, quoi. Je veux dire, dans l'idée. Donc, attends. Est-ce que tu vas assainir l'électronique à terme? Ah bah oui, après il faut les rendre fiables. Le but c'est pas passer sa vie là-dedans et faire toujours ça, même en pleine saison, commencer à dépanner les bornes. Le but c'est après les avoir nickel et puis faire tourner le truc quoi. Mais là pour l'instant c'est mode sauvetage, on arrive à faire le truc, ça fait le job et puis on verra bien. Parce que regarde, du coup, ouais, en fait t'as le câble complet, par chance t'as le câble complet. Donc vraiment le câble complet c'est ça quoi. Donc on a tout alimenté. En fait, t'as plus qu'à brancher ça. Plus qu'à brancher ça sur la ligne, et puis c'est bon. Bon alors. Alors, c'est là que les Athéniens s'atteignent. Petite pensée à Laurent. Le brancheur de. Non, c'était Mike. C'était Laurent qui. Ah non, Laurent, oui. Laurent qui branchait toujours les bornes. Ouais. Donc Laurent, petite pensée à toi. Si ça disjoncte. On aurait dit merde, on aurait dû attendre. Allez, Laurent. On y va. Donc déjà, ça sonne. Oui, il y a la lettre sur la PCB. Y a-t-il une image? Il y a une image. Oula. Ah bah, c'est Enduro Racer. C'est Enduro Racer. Alors que c'est censé être space arrière. Bon bah voilà, comme ça c'est fait, t'as deux enduro racers en fait. Peut-être pas. Non ? Peut-être pas. Donc alors attends, je me permets, j'appuie juste un peu sur les épreuves. Ouais. Est-ce que t'as le modif ? Non. Non, rien du tout. Nawak.
Bon, déjà, t'as ouais. Bon, tu sais que c'est un. Alors, c'est Marcus Pessari. Ah, ouais, c'est Marcus Pessari. Donc, on sait que là, concrètement, c'est quoi? Alors. Reprogrammer voilà. Les éprômes. Ouais, alors, c'est une, à la base, c'est une Spessarieur qui a été modifiée en Enduro Racer. Alors, c'est juste des éprômes, hein. Ouais. C'est juste les éprômes à modifier, puis après, ça redémarre. D'ailleurs, il existe même des kits où tu superposes la carte et tu peux faire le choix entre Enduro Racer et Spessarieur. J'ai. T'as? Bah oui. Voilà. Je t'ai pas appris quelque chose. Donc je dirais. Donc là, ce serait, là, ça peut pas être un bug graphique là. Non, là, t'as un problème, je sais pas de quoi, mais t'as une panne sur la PCB, quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais ça peut être graphique ou c'est... Ouais, ça c'est graphique, hein, c'est peut-être la carte vidéo ou quelque chose. Enfin là, je suis pas assez, balèze là-dedans pour dire de. Mais là, t'as une panne sur la PCB, mais t'as quand même cet avantage qu'elle démarre. Oui. Parce que un problème de pile. Quand même. Ouais, si, si. Un problème, problème de pile, t'as un écran noir, t'as que dalle. Hein. Ouais, ouais. Donc, à mon avis, là, t'as quand même quelque chose. Donc, ce qui prouve que t'as besoin que du 5 volts. Et est-ce que là, ça pourrait pas être une question un peu de poussière et tout ça aussi, là? Possible. Après, comment ça a été entreposé, c'est toujours c'est pareil. C'est ça. On sait pas. On sait pas comment ça a été entreposé. Peut-être ça a été mis dans un garage, mis à l'arrache, on sait pas. Mmh. Bon, après, c'est un bon petit coup de nettoyage, je pense. Un petit coup de spécial contact à mettre un peu partout et tu vois. Mmh. Mais bon. T'as quand même une vie, il y a quand même quelque chose qui se passe sur la carte. C'est plutôt pas mal pour... c'est un bon début, ouais. ça peut, c'est réparable. Il y a des gens assez calés là-dedans qui vont pouvoir le faire. On a vu pire. Oui. Mais déjà, on changera les ROM, on pourra les reprogrammer. Mais là, pour moi, c'est pas un problème de ROM. Hein. Moi, pour moi, c'est un problème de affichage graphique, la vidéo board. Un peu comme moi, ce que j'ai comme problème sur ma Hongon. Donc, il faut changer quoi? Faut changer... Un dépannage. Alors, il existe ces fameuses éprômes, là, tu sais, pour tester, comme je t'ai dit. Il existe des éprômes aujourd'hui, c'est, alors je ne sais plus la personne qui a développé ça, où justement on met les éprômes pour faire le memory test, qui va te pousser vraiment sur la PCB à 100%, le diagnostic, et il va te dire, il faut changer ça, ça, ça et ça. Donc ça c'est cool. ICE1 bad, ICE OK. C'est des éprômes de CPU. C'est un truc les bien poussé. Les éprômes de CPU sur ces cartes-là, c'est comme sur la Outrun, c'est 4, il y en a 4, non? Ouais. Donc techniquement, on pourrait déjà le faire repasser en Spessarieur déjà. Ça, c'est possible. Mais après, moi, je pense que dans un premier temps, c'est dépanner la carte et en mettant justement ces fameuses memory tests déjà réparer ta carte. D'accord. Et pour moi, la panne vient de la vidéo board. En fait, c'est les 6 éprêmes à reprogrammer pour mettre Spessarieur. Il n'y en a pas 4 alors. C'est 6. 6 ou 4, ouais. De toute façon, on le voit par rapport à ta PCB que tu superposes là, le truc sur. C'est le... ça, ouais. Tu le vois, si c'est 6 ou 4, je sais pas. Donc il y a juste ça à reprogrammer et on a une Spessarieur. Ah non, non. Ah oui, à reprogrammer. Oui, pour avoir Spessarieur, pour passer. Spessarieur, tu fais que ça. Ouais. Ah bon? Ah, ouais, ah oui, ouais. Oui. Tu fais les 6 là et c'est reparti. Mais celles qui sont sur la vidéo. Non, parce que RetroClinic, sans le citer, hein, désolé, je le lis, a inventé une carte que tu superposes, juste qui rentre pile poil et t'as juste un switch. Pour il 6. A fait ça, ouais. Voilà, et c'est, tu choisis soit Enduro Racer, soit Spécial. Donc c'est que 6. Voilà. Et il y a un truc qui existe pour ça. D'avoir plus de chance avec celle-ci. Parce que Sega, c'est Sega. Alors attends, c'est pas la même, je dirais. Si, si. Parce que Sega a toujours pris des câbles blancs et des câbles jaunes comme ça. Le jaune c'est le 5 volts et le blanc c'est le commun. Toujours fait ça en fait. C'est bien. Que ça soit même dans les Daytona, tout ça, c'est toujours comme ça. Ouais, y a plus qu'à. Y a plus qu'à. Donc on rebranche. Allez. Deuxième tentative, deuxième PCB. Donc là, petite dédicace à Mike. Alors, qu'est-ce que ça donne? Moi j'ai un voyant. Il n'y a pas de jeu. Ah si. Oula. Intéressant. Donc là, ouais, il y a. Pareil, il y a une panne également. Ah oui, là, il a l'air bien bugué. Alors, hop, oui, dis donc. Bob, il y a du boulot. Il n'y a pas de réaction? Non. Du tout. Bon, enfin, c'est. Je pense que c'est jouable. Hein. Oui, mais c'est rien. Pour moi, c'est pas... C'est jouable, c'est-à-dire que tu as quand même l'objet principal, c'est les deux cartes. Mais l'avantage d'avoir les deux cartes, c'est que ben, maintenant, c'est la réparation à faire. Et je pense que ça fera le taf, et on arrivera à faire le taf. Voilà. Les convertir les deux en Spessarieur. Voilà, ouais, ça, pour moi, ouais, il y a une Enduro Racer et... Enfin, non, ouais, il y a deux Enduro Racer à mon avis. Pour moi, c'est deux Enduro Racer. Mais encore une fois, c'est pas grave, on remet les épreuves et ça redémarre. Mais là, l'idée, c'est de réparer et la rendre plus fiable. Bon, bah voilà, les gars, cet épisode Projet Arcade, les vacances du Projet Arcade. Vacances, ouais. Les vacances du Projet Arcade se terminent.
Pour le coup, là, nous, ce qu'on fera, c'est qu'on verra peut-être. Parce qu'on avait le système qu'on avait branché à la télé. T'as du boulot. Non, non, mais c'est que le RepRCAD, il était mieux à la maison. Ouais. Et on avait testé avec le système qu'on avait fait, là, tu sais, qu'on pouvait jouer à la maison sur oui. un écran. Oui. Pour le coup, donc on pourra vraiment se poser à un moment donné quand on aura le temps. Une manette PlayStation, je crois. Ouais, voilà. Ouais. On pouvait tester. On l'avait testé avec Seb. À un moment donné, on s'était dit, ah, on va tester la Space Harrier. Effectivement, il y avait au moins une couche de graphisme qui s'affichait parce qu'il y a deux PCB. Ouais. Donc on va essayer, pourquoi pas, peut-être à un moment donné, se dire pourquoi pas si on peut le modifier. S'il manque juste un câble d'alim. Tu sais que peut-être des fois, même faire interchanger des pièces ou des trucs, peut-être, t'arriveras à en mettre une. Parce qu'en fait, quand on répare un truc comme ça, il faut être dans un atelier et tout, on peut pas le faire à côté de la borne. Non. Donc voilà, il faut vraiment qu'on puisse le faire fonctionner sur un écran. Bah, c'est surtout qu'il faut être calé. Faut être calé pour faire ça. Et je sais que Sébastien, il m'a toujours dit, de RepRCAD, il m'a dit, pour réparer, il faut que je sois à côté d'une télé, mon atelier et tout ça. Donc on peut pas faire ça avec une borne à côté, tu te déplaces. Là, c'est en mode, voilà, on teste, on voit si ça fonctionne, mais on peut pas se mettre là par terre à commencer à changer des composants. Il faut faire ça sur une table. Voilà, avec une télé, c'est l'idée. Faire ça, nickel. C'est un bon test, tout simplement. Voilà, exactement. Voilà, donc j'espère que cet épisode, finalement, je vous l'ai dit au début d'épisode, t'as vu, je disais, je prévois plus rien. Je pensais qu'on allait voir Seb à un moment donné, mais bon, voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Tu devais partir hier, tu pars peut-être demain. Ouais, non, aujourd'hui, là, je pars après manger, là. Ils veulent pas me laisser partir. Après l'apéro. Voilà, c'est ça. Il partira pas. C'est l'embuscade. Voilà. Et je vous souhaite à tous qui regardaient cette vidéo d'un jour d'avoir le plaisir de pouvoir venir ici. Parce que vraiment, d'avoir une salle d'arcade, une vraie salle d'arcade, je parle pas d'un camping comme on discutait, d'avoir un baby-foot ou un flipper dans un coin au niveau du bar, je parle d'une vraie salle d'arcade. Ouais. Ça n'existe plus. Oui, ça n'existe plus. En free play, ouais, on essaie de faire en free play. Bon, tenir encore également au maximum les machines en état de fonctionnement. Mais bon, c'est pas facile. J'aurai le temps cet hiver et que ça soit même là pour cet été, la rendre un peu fonctionnelle, on va dire à 70%. Mais l'été prochain, j'aurai vraiment le temps cet hiver. Après, encore une fois, on a fait tellement de travaux là depuis 8 mois. Ouais. Là, l'avantage, c'est que maintenant, j'aurai le temps. Non, mais là, c'est bien déjà. Non, mais franchement, on va passer tous un petit bout d'après-midi tous les jours à venir ici. Parce que là, l'avantage, c'est que c'est une salle entre guillemets professionnelle. C'est pas une salle d'un particulier, c'est-à-dire es un particulier, mais là tu l'ouvres au public. On l'ouvre, c'est partager aux gens la du passion. Camping, voilà, aux gens du camping. Voilà, c'est partager la passion, montrer vraiment, faire découvrir aux enfants ce que c'est vraiment l'arcade, parce qu'ils ne connaîtront pas, quasiment pas, cette génération arcade que nous on a pu connaître. Ouais. Les enfants découvrent. Moi, quand je vois un gamin jouer avec un flipper, c'est pas comment lancer la boule, c'est génial. Mais donc, c'est génial. Explique. Voilà, mais voilà, c'est encore une fois, c'est on n'a pas, j'ai pas une collection exceptionnelle, mais l'idée c'est surtout. Découvrir, partager tout ça. Passer le virus. Voilà, passer le virus. Et pourquoi pas, même d'ailleurs, voilà, nous ici on est dans mode projet arcade, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas parlé la dernière fois, c'est que par la suite je créerai certainement une association du partage des gens qui veulent venir au camping, qui sont aux alentours du camping, ceux qui sont pas très loin, apparemment il y a beaucoup de collectionneurs. Oui, il y a la porte ouverte, il n'y a aucun souci, tout le monde peut venir. Des ateliers arcade. Ah oui, pas de souci. Ce serait voilà. Génial ça. Bêtement, hier avec Rudy qui est venu déposer la Delo, tout compte fait, maintenant, l'époxy, j'ai une adresse. Ouais, voilà. Ah, on est au début de tout. C'est vrai. J'étais 8 mois confiné dans le camping, je n'ai rien vu. J'étais ici, j'ai bossé comme un débile, voilà, on l'a fait. Mais voilà, ça y est, maintenant c'est fait. Et ce que j'adore, c'est que quand la salle elle ouvre à certaines heures là dans la journée, t'entends les enfants courir. Il y a la salle d'arcade. Il y a des tout petits qui courent comme ça. Il y a la salle d'arcade. On va jouer aux arcades. Les travaux manuels, ils se barrent tous et puis ils laissent tout en plan. Il y a plus rien. Il y a la salle d'arcade et ça court. Ils arrivent. Mais c'est pour ça encore une fois la salle d'arcade. Je tenais encore aussi à préciser que la salle d'arcade n'est pas ouverte H24. Voilà. Beaucoup me diraient ah oui mais ça va être consommé, ça va être terrible, les gamins vont être blancs, vont sortir de là. Non, le but c'est de leur faire découvrir. C'est une heure le matin et une heure en fin de journée. Ouais, tu veux pas les abrutir, t'as dit qu'ils... Ça découvre, mais il y a une limite. Ouais. Il n'y a pas que ça. Ouais. Il y a pas que ça. Et après, ceux qui veulent, on va dire, privatiser la salle, il n'y a aucun souci. Mais l'idée, c'est une heure le matin et une heure le soir. Exclusivement qu'en haute saison. C'est-à-dire à peu près du 10 juillet jusqu'au 21 août. Voilà. Ce sera pas le mot de la fin, parce que là, on va se laisser. C'est même pas moi qui va vous dire le mot de la fin. C'est... On va terminer avec le maestro. Voilà, alors, on vous dit pas au revoir et on termine avec le maestro. Attends. C'est un truc comme ça.
après il faut la partition, je l'ai pas complète. Bon Léa, c'est la fin de la vidéo, qu'est-ce que t'en penses? C'est triste? Non, c'est pas triste, pourquoi c'est pas triste? Les vacances du projet Arcade sont terminées. C'est pas vraiment fini en fait. Ça finit jamais? Bah oui, c'est ça. Les vacances du projet Arcade sont terminées. Non? T'as perdu ta langue toi. Ouais. Le projet Arcade c'est jamais vraiment terminé. C'est jamais vraiment fini hein. Non, voilà. Parce que moi je connais un mec qui fait des projets Arcade plus 02, plus 03. Mais alors qu'il aurait pu faire une saison 2 à l'aise hein. Ouais. Hein? Entre nous. Saison. C'est vrai, hein? Saison 16. Et il a pas fait une borne full chrome. Non. Ça pourrait être pas mal hein. Ça on peut le faire si tu veux. Ouais, on peut le faire ça.